pour essayer de voir un petit peu le niveau de vos connaissances sur le cours précédent. En premier lieu, pourriez-vous me rappeler ce que nous entendons par atome? Un atome est une partie qui est constituée d'un noyau et d'un ou plusieurs électrons qui gravitent autour. Très bien. Nous avons vu aussi que l'atome peut donner naissance à de nouvelles particules que l'on appelle... Grégory? Oui. Qui serait capable de me rappeler le thème du cours que nous allons aborder aujourd'hui? Oui. Le thème du cours était l'action d'un acide sur un métal. Exact. Donc nous avons rappelé quelques atomes métalliques, donc des métaux, à savoir le cuivre, le zinc. Et nous allons parler maintenant un petit peu des acides. Quels sont les acides connus? Acide chlorhydrique. L'acide chlorhydrique, oui, c'est déjà bien, donc ça c'est une bonne réponse. Ensuite, acide sulfurique. C'est très bien, acide sulfurique aussi. Oui, voilà donc les trois principaux acides que l'on trouve dans tout laboratoire de chimie. C'est bien. Donc nous allons voir l'action de l'acide nitrique sur la tournure de cuivre. Gagnerie! Tu peux me faire le résumé des différents points à rappeler? Comme d'habitude, tu dois. Quand vas-tu dévier des ondes de continuales? Salut, je m'appelle Grégory.
sur le super menu. C'est terminé, c'est pas mal. Tu veux qu'on rentre ensemble? Oui.